Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Alors on a eu une donation pendant le générique, c'était Blitzcode qui nous disait Felindra tête de tigre. Merci à toi pour cette donation, je te remercie évidemment. Alors par contre attendez, parce qu'en gros le deuxième jeu se DL à 100 KO secondes sur Steam, donc qu'est-ce qui se passe? Donc je vais juste relancer pour vérifier que ça fait pas le bordel. Bref, en tout cas, bienvenue dans Zerator Simulator, l'émission dans laquelle on simule des trucs, et là on va simuler des jeux vidéo, ça va être formidable. C'est une émission sur laquelle on joue à des jeux de simulation ou de gestion de trucs simulants, de trucs de la vie réelle parfois peut-être. Donc voilà. Bref, du coup, voilà, ça se DL à la vraie vitesse. Je suis très content. On va partir sur la première session de gameplay. Alors, en gros, de 20h à 23h, il y aura 4 sessions de gameplay. Donc 2 sessions de gameplay de 40 minutes sur un jeu, 2 sessions de gameplay de 40 minutes sur un autre. Donc ça ne sert à rien de dire sur le premier jeu, si vous aimez pas au bout de 20 minutes, change de jeu, puisque déjà vous serez banni du chat parce que ça nous énerve. Et ensuite, ça n'arrivera pas parce que ici, c'est pas vous qui décidez. MDR ! Bon, alors le premier jeu de ce soir, c'est un jeu qui nous vient tout droit des contrées germaniques, bien sûr, comme d'habitude, avec les jeux un petit peu bizarres de simulation. Il paraît que la clientèle allemande est très friande des jeux de simulation. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment ils réussissent à avoir le budget pour le faire, mais j'imagine que ce sont des jeux qui sont faits, évidemment, en 2 jours. Donc, de toute façon, le profit est bon, puisqu'en général, ces jeux de simulation sont vendus à des prix de ouf et ils sont faits en 1 heure. Donc, ce n'est pas très grave. Bref, dans tous les cas... Dans tous les cas, mesdames et messieurs, eh bien, ce qui est sûr et certain, c'est que on va encore voir peut-être une prouesse vidéoludique. Vous avez vu Pelteuse Simulator, vous avez vu Tunneling and Mining Simulator, vous avez vu Skyscraper Simulator, enfin Gratte-ciel Simulator. Laissez-moi vous présenter cette semaine, Autobahn Police Simulator. Certains l'avaient deviné, car il fait évidemment un grand succès sur Steam. Bienvenue à toi Blitzcode qui s'abonne à Zerator Télévision, merci de ton abonnement. Autobahn Simulator qui veut dire en fait Autoroute Police Simulator. On va jouer un patrouilleur de police qui doit arrêter les gens sur l'autoroute parce qu'ils vont trop vite, ou par exemple pour le contrôler leur camion parce qu'ils transportent de la drogue ou des armes ou des choses complètement illégales. C'est salaud. Donc voilà, Autobahn Police Simulator, ça va être énorme. Autobahn. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas ça va être formidable. Voilà. Donc moi je vais m'appeler officier Herman. Oh non, ça marche pas. Officier Hans. Non. Bon, on va dire que off Herman. Voilà, officier Herman. D'accord. Ouais. Homme, non pas femme, je suis un homme. Indicatif, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Ah, y a pas tout l'alphabet militaire. Je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu quand même. On va se mettre en Bravo, d'accord. Il faut s'occuper pendant que la choucroute cuit. Ya, c'est QFD. Oui. D'accord, ils adorent. 2N à Herman. Ah ouais, j'avoue, t'as raison. Officier Herman. Oui. Oui. Gaëtan Boudou s'abonne à la Zerator Télévision. Bienvenue à toi. On te souhaite la bienvenue. Alors bien sûr, on va partir en mode campagne, bien évidemment. On va aller voir un petit peu les options, comment ça se passe dans ce jeu. Qualité des textures moyen. Est-ce que j'ai une tête à jouer en moyen à ce genre de jeu? Miroir. Ça, je sais pas. Détail. Est-ce que j'ai une tête à jouer en moyen? Ultra faible. Élevé, bien sûr. Intelligence artificielle des véhicules, on va mettre à la moitié. Encore du LOL dans Zerator Simulator. Chouette, j'aime bien ce jeu. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes, Nico? N'importe quoi, Nico. Alors j'ai fait péter le jeu parce que j'ai quand même mis tout à fond. Donc là on joue en taf, tout à fond. On essaye, on part sur la campagne. Revivez au quotidien. Enfin Zerator va faire régner la loi. Enfin Blitzcode, tu as bien raison. Revivez au quotidien la vie d'une patrouille autoroutière et contribuez à rendre les voies de circulation plus sûres. Oui, exactement Faily Trickies, tu as tout à fait raison. Et là mesdames et messieurs, on remarque qu'on voit la souris dans le jeu. Donc déjà un meilleur jeu que Trackmania et que Heroes of Might and Magic, évidemment. Bref, donc, démarrer une campagne. Alors attendez, juste laissez-moi checker un truc avant qu'on démarre ceci. Tac, 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 blim, blablabloum, blablabla. Voilà, c'est parti, on démarre la campagne, faisons régner l'ordre. Le jeu en ultra doit être magnifique.
J'espère qu'on peut jouer à la manette et que le support manette est complet. Alors, un jeu qui est cependant traduit, et ça, c'est quand même excellent. Alors, j'ai dit traduit, mais c'était peut-être que dans les menus, parce que là, Autobahn Polizei, je vois que en haut, le commissariat est allemand. C'est le chargement, hein. Ceci est un JPEG. Vous voyez, ici, vous ne voyez pas, mais derrière les donations, il y a écrit chargement. donc voilà. Hein ? Bienvenue à la première prise de poste. Oh putain, ça va être énorme. Pour vous faciliter la tâche, nous allons vous apprendre certaines choses aujourd'hui. Gagner de l'expérience pour monter en grade. Vous pouvez, avec les touches WASD, vous déplacer. Avec le bouton droit de la souris, vous contrôlez la caméra. Regardez autour de vous, pardon, pour vous concentrer. Hein ? Regardez autour et vous concentrez sur les objets. Ok. Maintenant, rejoignez votre véhicule et faites votre première patrouille. Alors. Je raciste. Mais c'est bon, j'ai mis en ZQSD le clavier. Non, c'est bon. Pour chaque poste, vous aurez affaire avec un objectif particulier. Il est toujours indiqué en haut à droite. Ce n'est pas un objectif obligatoire, mais il donne droit à la fin à un bonus. C'est très bien traduit. Mon Dieu, j'adore ce policier. Bonjour, je suis officier de police. Je suis le TX-492-283. Je suis un Terminator. Bonjour, je suis extrêmement rigide, mais j'adore la choucroute et aussi les currywurst. Bon, alors attendez. C'est où la voiture de patrouille? C'est par là, j'imagine. Trop addictif les dons en fait, les tunaises de mon anniversaire pour le plus grand. Mais enfin Blitzcott, arrête. Garde-en. Alors il faut qu'on aille à la voiture de patrouille. J'imagine que c'est ça. Ouvrir joystick. Putain, le joystick marche, attendez. Oh, le joystick marche. Joystick 8, c'est la touche X. Alors maintenant, comment est-ce qu'on entre là-dedans? Ça ne marche pas du tout. Alors, je vais quand même rester en ZQSD, ça m'a l'air plus intéressant de faire des mouvements de robot. Conduire le véhicule. Vous ne pouvez pas entrer dans un véhicule tant que les portes ne sont pas fermées. Tant que les portes sont fermées. Ah. Donc il faut tout ouvrir, c'est ça. Il faut tout ouvrir. Judge Dredd Polizei, le bon dieu du hasard. Attendez. Je sens que rien que conduire le véhicule, ça va être coton. Oui! On a réussi! Alors maintenant, oh putain, il y a plein d'interfaces qui viennent s'afficher. Là, j'ai le compteur de vitesse en bas à gauche. Bon, il y a les donations en plein dessus, mais on s'en fout. Desserrer le frein à main, F8. Moteur allumé, F9. Et c'est parti! Tâche du poste. Merde, c'est quoi? Contrôle des véhicules 0 sur 3. Ok, c'est par là. Est-ce que si on va trop vite, on a un excès de vitesse? Non! La puissance de la police! Qu'est-ce que c'est? Carte. Dodo des Bois vient de donner 5,01 euros. D'accord. Merci à toi, Dodo des Bois. J'ai fait quoi? Ah, je sors du camp et du coup, la carte. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Les Allemands, ils ont des services secrets qui développent des jeux de simulation pourraves en 2-3 heures l'unité pour faire marcher l'économie allemande et dominer l'Europe. On connaît leurs secrets, bisous sur les fesses, peace. Zerator en mode Cartman, respecte mon autorité. Au fait, j'ai bien aimé le best-of 97 où tu me trolls sur mon pseudo. Chromo officiel. Alors, attendez. Il faut qu'on contrôle des véhicules. Vous avez vu, il y a un chargement. Bon, j'ai mis un petit peu trop haut. On dirait les... Oh non, je suis revenu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis trop les ressources graphiques. Du coup, ça lag un peu. Je suis désolé. Non, jamais. En fait, si j'avais pas vu que le cheat code Tunes GTA marchait pas dans la vraie vie. Et oui, c'est ça le problème. J'ai pas pris de mur encore. Non, mais c'est... Putain, ça lag. J'y reviens pas, quoi. J'en reviens pas que ça lag. Ok. Ah, oh, on peut contrôler des mecs. J'arrive. Oh, j'arrive. Signaux F6. Allumer la sirène. Non, ça c'est le klaxon par contre. Ils se sont trompés. Fonction F5. Lumière. Enclencher les feux de détresse. Non, pas du tout. Retour échappe. Quelle magnifique interface. Vous ne trouvez pas? Regardez, je vous montre l'interface derrière moi ici. Ah, attendez, j'étais sur Windows. Serrer le frein à main maintenant. Ça a pas marché. Merde. Alors attendez. Ça lag, ça full lag. Faut que je baisse les...
Faut que je passe les détails, les mecs. Ah, ok, menu principal. Tu veux changer les options, genre ça te quitte le jeu. Bitte, évidemment, il y a écrit là. Donc, s'il vous plaît, en allemand. Option. Bon, désolé, mais on est obligé de jouer. On est obligé de jouer en moyen. Mais vraiment, le jeu, voir les distances. Donc, ça, c'est render distance, voir les distances. Accepter. Anti-crénelage. On n'est pas obligé de mettre de l'anti-crénelage. Qualité des ombres. Désolé, hein, je dois baisser pour qu'on ait un jeu fluide et absolument correct. Mais c'est pas grave. On va y arriver, ne vous en faites pas. Ça va le faire, ça va le faire. Attendez. Alors, bienvenue dans l'équipe du jour. Votre poste commence. Votre objectif, contrôle des véhicules. Voiture de patrouille. On peut sprinter. Oh ! On peut sprinter ! Hein ? Hein ? Oh, je peux me pencher comme ça, vous avez vu. Oh, attention de pas tomber quand même. Ouais ! Excellent ! Hein ! Si j'allais faire mon jogging ! Oh ! C'est formidable, j'adore courir sur le côté. J'adore. C'est excellent pour les articulations et pour les quadriceps. Bon, ça suffit de faire le coup. Ya ya, je rentre dans la voiture. Alors, on y va. Currywurst. Alors, desserrer le frein à main F8. Moteur allumé F9. Calmez-vous, arrêtez de rire sur le chat. Vous me faites rire. Ok. On part à Thyssen. Wow! Wow! Ok, j'ai des dégâts sur ma voiture, c'est pas grave. On va rattraper le fou qui est devant. Statut radio. Véhicule prêt. F5. Hein? Alors comment on fait? Contrôle des véhicules. Bonjour! Garez-vous sur le bas-côté, Haïté. Non? Signaux. Gyrophare on. Ah voilà! Gare-toi! Comment on fait? Garez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence. Fonction. Outil matériel. Contrôlez la vitesse. Contrôlez la vitesse du véhicule. Ah voilà, j'ai trouvé! Et putain, ça klaxonne quand je... Attends. Je rêve ou c'est pas une idée sur le même truc? F5, F6. Interceptez le véhicule. Oui! Si vous arrivez sur les lieux d'intervention, votre statut devrait être basculé sur 0-4. Hein? Ok. Restez derrière le véhicule et suivez-le jusqu'à la prochaine aire de parking. Ok. Ok, 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 ok. Facile. Ah! Putain. Il s'est arrêté direct, salaud! Comment on contrôle? Conduire jusqu'à la destination. Avance! Mais je suis déjà à la destination, putain. Conduire jusqu'à la destination. Je vais re-rentrer dedans. Bah, j'y suis de nouveau. Est-ce qu'il va rentrer dans la police? Va-t-il oser? Tu vas oser faire ça? Ah non. Ouais donc, attends. Il me suit? Vous croyez qu'il me suit? Mission accomplie. Non? Bah non. Janine, viens voir, il y a un flic qui me... Escorte-là, il te suit. Mais pas du tout, arrêtez! Vous êtes bête! Pousse-le, OMG. Mais non, pas du tout. Bon, écoutez, on va serrer le frein à main. Et putain, serrer le frein à main, ça klaxonne. Hop! Sortons du véhicule. Comment on fait pour sortir? Moteur éteint. Comment on sort du véhicule? Zut! Putain, comment on sort du véhicule? Là! Ah! Non! Sors de ta voiture. J'essaye! J'essaye de sortir. J'essaye de sortir! Mais j'ai le doigt coincé! On peut le faire à la souris aussi, c'est bien ça. Statut radio. Véhicule prêt. La touche E ne sert à rien. Là, elle a CTF! Conduite. Ouais, non, c'est bon. C'était F, mesdames et messieurs. Bonjour. Sors de ta fichue voiture, flic de mes deux. Mais attends, Shadow Moses, j'essaye. Bonjour, savez-vous pourquoi nous avons été interceptés? Désolé, je n'ai aucune idée.
Je vous ai intercepté parce que... Ah, trop marrant, c'est nous qui choisissons. Son père, Zera, déjà un an qu'on s'est vu au meltdown, t'es toujours au top, merci. Salut à toi, Metalora. A bientôt, peut-être. Et merci à Shadow Moses juste avant. Alors, parce que... contrôle. En raison d'un contrôle de routine. Mais je viens de passer 2 ans en tant que viewer de l'ombre. Faites quand même. Je préfère donner à Faker plutôt qu'à Malboro. Ils ont déjà eu assez. Ah, ça, c'est sympa. T'as raison. Oui. Oui. Et c'est Bliff qui s'abonne à Zerator Télévision. Alors, on va dire... Avez-vous votre triangle de pré-signalisation? Personne à ça. Puis-je voir votre triangle de pré-signalisation? Non, je ne regarde pas tous les petits détails que vous demandez. Eh bien, voilà quelqu'un de bien pétulant. Si vous ne montrez pas votre triangle et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, je vais devoir le signifier. Oh putain, le flic relou, quoi. Kit de premier secours. Puis-je voir votre kit de premier secours? Bien sûr, c'est dans le coffre. Merci pour l'info. Permis de conduire et papier du véhicule. Le mec relou, tu sais, qui cherche absolument un truc. Voilà mon permis, mais je n'ai pas les papiers sur moi, ça vous va? Non, vous devez avoir les deux sur vous à n'importe quel moment. C'est aussi important que votre permis de conduire. Je devrais demander au poste si la personne est suspecte. Ah, demander au poste si la personne est suspecte. C'est quoi? Contrôler le conducteur. Amende. Pas encore, pas encore. Autorisé à poursuivre la route. Avertissement. Contrôler le véhicule. Contrôler le véhicule. Je vais faire le tour de votre véhicule, restez assis. Ah, c'est moi qui dois le faire. Ta ta la ta ta ta. D'ailleurs, je vais le faire en marchant sur le côté parce que c'est vachement plus rigolo. Et voilà, c'était vachement bien. Bravo. Ah non, c'est moi à nouveau. T'imagines le flic qui court sur le côté comme ça, il vient à ta fenêtre, il fait c'est encore moi. Salut. Alors, alcool. Avez-vous consommé de l'alcool? Non, rien du tout. C'est ça mon cul. Bon, très bien, je pense que cette personne dit la vérité. Bon, écoutez, On va vous mettre en état d'arrestation. objet prohibé. Avez-vous des objets prohibés avec vous? Non, je n'ai pas d'objet interdit avec moi. Je vous crois sur parole. Ah bon? Mais jamais un flic dira ça. Je vous crois sur parole, sans aucune ironie. Inspection des documents. Je vais regarder vos papiers. Schneider, Julia, Klosterstadt. Mais c'est un faux! Demande du fichier de personnel de Julia Schneider. Ne vous inquiétez pas, cette personne n'est pas fichée. Bon, écoutez, vous pouvez repartir. Bonne route. Oh, j'ai gagné masse XP. Il fallait juste demander les papiers. En général, demander. Je crois que ça veut dire ça. Et voilà, ta 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 ta. Première mission accomplie. C'est énorme. On continue. Ça se dit Julia, pas Julia. Ok. Moteur allumé. Desserrer le frein à main. Go! Lui! Oh, attendez-moi! Alors attendez, attendez. Statue radio. Pousse-toi. Oh, tous ces gens à contrôler. Alors maintenant que je sais à peu près, on va essayer. Oh putain. Signaux. Allumez la sirène. Bon, dis donc, tu t'arrêtes maintenant? Salut Zera, tous les viewers, je fais un don, j'en profite pour dire que c'est Rocket League, mon FR vient d'ouvrir, j'ai développé avec un ami, c'est un site pour les fans du jeu avec plein de choses sympas, tournoi à venir, votre situation. D'accord, Calu, merci pour ta pub en live, et bonne chance pour ton lancement de communauté, rocketleague.fr. Interceptez le véhicule! Quoi? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Restez derrière le véhicule et suivez jusqu'à la prochaine heure de parking. Mais putain... Bon, par contre, ça suffit, la sirène, ça me gonfle. Alors, on continue. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. C'était derrière le véhicule. Mais en fait, je pense que j'ai dépassé la zone. J'ai dépassé la zone. Alors, c'était quoi? Fonction, outil matériel. Cancel flag down. Bon, là, j'ai cancel flag down. Contrôler le véhicule. Mais on peut pas parce qu'en fait, j'ai déjà pris en chasse un véhicule. Et le problème, c'est que maintenant, il est parti de la zone. Enfin, du coup, ça a bugué. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un énorme problème. Du coup, je pense que c'est on est niqué. Je suis depuis un tueur maintenant. Je suis au premier tour. Je profite pour te demander si tu comptes venir au meltdown à Montpellier. Si oui, quand? J'ai raconté, c'est très incroyable. Alors, Maya Natsume, tu peux tout à fait me suivre sur les réseaux sociaux. En général, je préviens quand j'y vais. Mais c'est vrai que de base, j'y vais assez rarement parce que le soir, ben, moi je suis en live. Et voilà. Oui. Oui. Astronaut, s'abonne à Zerator Télévision. Bienvenue à toi, Astronaut. Et merci.
Bon, je pense que j'ai fait bugger le jeu. Vous croyez pas? Je pense que j'ai vraiment fait bugger le jeu. Faudrait que j'annule ce contrôle là. Comment je peux faire? T'as perdu l'aggro. Il me demande de revenir à la base, non? Faudrait que j'enlève mes clignotants peut-être un jour. C'est ça, cassez-vous! Poussez-vous, je dois arrêter un criminel! Extrêmement dangereux! Putain, la map est énorme! La map a l'air énorme! Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Je pense qu'on a bugué. Bon, je vais essayer de me faire des damage au maximum pour voir ce que ça fait. Tout va bien, je n'ai que 89% de damage. Qui pourrait s'inquiéter d'une telle chose? Ah, trop de chaos. Vous avez mis trop le chaos. Gardez à l'esprit ce facteur. Évitez de donner une impression négative. Oh putain, la traduction faite avec les pieds quoi. Maintenant vous pouvez recommencer un poste depuis le dernier point de contrôle au poste de police. Voilà. Et là en fait j'ai réparé le bug. Parce que moi je maîtrise les jeux vidéo. C'est mon métier, et oui madame. Contrôle des véhicules 3. Alors on y va, on continue. Ya, toujours le sprint. J'adore courir sur le côté. Allez, ya. Bon, allez. On peut pas sauter. Pourquoi ils ont enlevé le saut? Pourtant, c'est fait avec l'Unreal Engine. Je sais qu'il y a le saut. Quand même. Go, on y va. Et voilà. Je commence à maîtriser l'interface. C'est un truc de ouf. Alors, essayons de contrôler 3 véhicules. Non, mais putain, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Mais les jeux de simulation, c'est toujours tu dois mériter tout ce que tu fais. Gyrophare sur on. Contrôler le véhicule. Quoi? Ah, rester derrière ou à côté du véhicule pour mettre en évidence un comportement suspect. D'accord. Pour rester à côté quoi. Oh, ça y est. Et boum. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui... Interceptez-le. Vite. Interceptez le véhicule. Restez derrière le véhicule et suivez-le jusqu'à la prochaine aire de parking. Il s'arrête. Alors je vais me mettre devant lui pour pas qu'il se casse. Ah mais attendez, la prochaine aire de parking, c'est genre... C'est loin, non? Ah, c'est la bande d'arrêt d'urgence, ils s'en battent les Dénois. D'accord, excellent. Et un autre dangereuse histoire de taunt, mais qui est nu. D'ailleurs, encore merci pour l'orthographe et les photos. L'autographe, pardon, pas l'orthographe. Pas de problème. Allez, on sort. Alors lui, par contre, il m'a l'air suspect. Drogue, alcool. Bonjour, madame. C'est un homme ou une femme? C'est une femme, je crois. C'est une femme, non? Ah, c'est une femme. Désolé, je n'ai aucune idée. Je l'ai intercepté parce que... Contrôle. En raison d'un contrôle de routine. Alcool. Avez-vous consommé de l'alcool? Non, rien du tout. Je pense que cette personne dit la vérité. Ah bon? Drogue. Avez-vous consommé de la drogue? Non, jamais. Prendre de la drogue est un signe d'échec pour moi. Voici une réponse honnête. Gardez cette attitude. Mais putain, il était... Bon, ok, les papiers. Petite donation en plus, perdre mon argent au pari sportif, je te les donne. Ça fait plus de 3 ans que je te suis. Merci Astronaut. Calme-toi. Ah, il a pas ses papiers. Ah, tu les as oubliés à la maison. Ah, là, c'est terrible ça. Ce n'est pas bon, vous devez avoir les deux à n'importe quel moment. Je vous mets une amende. Eh oui. Pas de papier, 10 euros. 10 euros. C'est pas cher. En prison. Les gens sont en mode en prison. Il a pas ses papiers. Allez. Salut hein. Bon, et ça fait 2 sur 3. Putain, quand tu réussis une mission, on dirait que c'est la fin d'un épisode d'NCIS quoi. Genre t'es tellement content. Moteur allumé. Desserrer le frein à main. Go. Lui. Là. Signaux. Voilà, c'est sérieux, on allume la sirène. Intercepter le véhicule. Toi.
Regardez comme je joue RP. Regardez comme je joue RP. J'ai trouvé mon jeu, je crois, pour les LCS. Ouais, ouais, c'est ça. Hop, prends la main. Bonjour. Oh, oh, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Hop, 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 hop. Attention. Hey, le flic court vite quand même, regarde ça. Il est sur l'autoroute. Hop, 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 hop. Allez. Vous ne gagnerez pas ce combat, madame. Quoi? Je te regarde depuis quelques mois. Vous toujours été là pour me donner le sourire. Merci à toi, Daxa. Garde la pêche. Bonjour, savez-vous pourquoi vous avez intercepté? Désolé, je n'ai aucune idée. Ah ouais? Vous avez intercepté? Parce que... défaut sur le véhicule. Maintenant, je procède à un contrôle de routine vous concernant. Avez-vous vos papiers? Voici mon permis, mais je n'ai pas le permis sur moi, ça vous va? Mais putain, c'est quoi ces gens? Non, vous devez avoir les deux sur vous. C'est aussi important que votre permis de conduire. Je devrais demander au poste si la personne est suspecte. Ah! Le poste, est-ce que la personne elle est suspecte? Non, pas le tour du véhicule! Non, pardon! C'est bon, c'est encore moi! Attendez, comment on fait pour inspection des documents? Voilà. Regardez vos papiers. Ouais! Comment on fait pour demander aux radios portatives? Non, c'est pas ça. Comment on fait pour demander au poste si le mec est suspect? Avertissement. Contrôle du conducteur. Ah, c'est ça! Je vais regarder cette personne de plus près. Je ne vois rien de suspect. Je vais regarder cette personne de plus près. Non, il a l'air d'aller bien. Ok. Amende. Je suis désolé, je vais devoir mettre une amende. Le défaut, j'aurais évité. Il n'avait pas ses papiers, voilà. Allez. Et mesdames et messieurs, c'est la première quête que nous faisons. Nous avons contrôlé 3 véhicules. Dès que vous avez atteint l'objectif de votre poste, vous pouvez terminer plus tôt. Quoi? Vous pouvez terminer plus tôt? Ah oui, d'accord, genre vous pouvez finaliser la quête direct. Vous pouvez terminer, alors utilisez SVP, le commande de menu hors F10 pour demander une fin anticipée. F10. Le commande de menu hors F10. F10. Le commande de menu, carnet. Comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Quelqu'un m'aide, bon sang. On va essayer de se faire écraser. Attention, attention. Oh, il s'est arrêté! Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, là, il s'arrête pas! Regardez, c'est un flic de ouf. Bon. F10, ça marche pas. Hein. Ça marche pas du tout. Peut-être faut remonter dans la voiture. F10. Ah! Fin du poste. Entrée au poste. Quoi? Et là F10 ça klaxonne. Mais putain. Ah, faut juste rentrer à la base. Ok. Et eh bah ben, c'est parti. Alors moteur allumé. Go. Est-ce qu'en sprintant la voiture booste? Eh bien non. C'est bien dommage. Alors signaux, gyrophare sur off. On va sortir et on va faire demi-tour. Oh, oh. HQ2 Cabela Swamp 01, please come in. Pardon. Mais putain, par où je vais? Je fais n'importe quoi. C'est pas du tout par là, bon sang. Oh merde, l'autre autoroute. Oh, j'ai fait n'impe. Ouais, le poste c'est là-bas. Ouais, je suis au courant. C'est pas grave, je vais sortir. Regarde, oh là, dis donc, un patrouilleur. Regardez, on va sortir ici, on va tourner là et ensuite on reprendra ici. Ça vous va? Ce sera énorme. Voilà, dis donc. Un véritable chantier qu'il y a là. Heureusement, je peux aller à 180. Ah, ah non, je peux pas. Ah. Mais en fait, je sème pas du tout le chaos, c'est moi qui me détruis moi-même. Du coup, c'est bon. Le jeu vous dit, non, vous avez trop semé le chaos. Mais c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Ausfarft. Je sors à Ausfarft. Pas sûr de bien prononcer, mais... Sugen Sud. On va à Sugen Sud. Voilà. Et là, il faudra retourner à droite au prochain truc. Demi-tour sur l'autoroute. Bah non. Et non, non, c'est ça le problème. C'est ça le problème.
Ah, c'est des points de téléportation, vous croyez? Là, je veux aller là. Son raccourci prend 10 minutes, êtes-vous sûr de vouloir l'utiliser? Oui. Excellent, ah ça allait. C'était en train de me faire taper dans le mur, vous avez vu? Et voilà, on est au poste. Donc c'est ça en fait, dès qu'on sort, on peut prendre des raccourcis en se téléportant. Ça veut dire sortie, Offsart. Ah ouais? Offsart. Ça veut dire sortie? Ok, mais comment je sache, moi je suis nul, je connais pas l'allemand. On sort de la voiture. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Un policier complètement fou et sûrement un peu débile s'amuse à foncer sur les voitures. Infotrafic. J'avoue. Moteur éteint. Merci Infotrafic pour cette donation. Toi tu restes? Ouais. Ok. Ça marche. Vous avez terminé votre poste. J'ai fait un haut fait. Perfect day shift. Ça c'est vrai qu'il était perfect. Et 610 XP. Bam. Alors vous allez faire quoi? Ce jeu est d'une puissance. Bienvenue dans l'équipe du jour. Comment ça? Accident 3. Bon, mesdames et messieurs, c'est une deuxième partie de gameplay. Je voudrais pas qu'on parte comme ça en étant complètement inconscient. Donc on va attendre 5 petites minutes. On se retrouve juste après pour cette deuxième session de gameplay. Deuxième et dernière session de gameplay sur ce jeu, mesdames et messieurs. On se retrouve juste après. Ne bougez pas. A tout de suite, j'ai complètement level up. Ça va être fou. Ça va être fou. On passe à l'accident.